Le Mont Ventoux, une ascension mythique du Tour de France. Cette montagne sacrée qui se dresse au milieu de nulle part a fait de Richard Virenque le spectaculaire grimpeur que l'on connaît. C'est une ascension de costaud. C'est pas 10 km, c'est pas 15, c'est presque 20 avec le vent tout à l'heure qui sera défavorable. Il y a 11 ans, Virenque est entré dans l'histoire du Tour après une approche mouvementée. On est à l'endroit exact où j'avais attaqué. J'avais entendu d'avoir un coup d'adrénaline pour mettre une grosse attaque à Botcharov, qui avait profité des roues pendant 200 km. Il fallait que je lui mette un coup de bambou. Ah, c'est l'apothéose. Quand on arrive au chalet Reynard, il y a le petit frisson. Hein. Là, je savais que ça allait se passer entre moi et le Mont Ventoux. Ouais, le dernier est dur. Hein. C'est le vent qui tue aussi.